Salut à tous, aujourd'hui c'est Albaport. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de Split Second sur ordi. Donc il y a plusieurs modes, hein. Il y a mode saison, jeu rapide en ligne, local, et un truc bizarre, c'est écran scindé. Bon, mais en fait c'est tout simple, il suffit juste de brancher une manette ou de jouer sur des parties de clavier. Enfin, c'est un peu chiant quoi, sur le clavier. C'est pour ça que je joue à la manette comme sur Burnout, sinon c'est du gâchis, je trouve. Donc je vais faire la saison. En fait, je venais de faire une vidéo là, mais sauf que puisque j'avais filmé juste le... Ah putain. J'avais filmé juste... Qu'est-ce que j'avais filmé? Ah oui, donc j'avais filmé en fait... Donc j'avais commenté tout ça, mais sauf qu'en fait j'avais mis la vidéo en mode, ça filme que l'ordi en fait. Et du coup, ça filmait le son de l'ordi et on m'entendait pas puisque je parle là-dessus. Donc il a fallu... il faut que je recommence, donc... Bon. C'est pas normal, j'ai déjà la course élite, hein, alors que je viens de la le débloquer le truc. Enfin bon. Bon, on va faire. Non, pas une émulation, c'est nul ce truc. Ouais, une course. Bon, je vais pas prendre cette voiture, hein, je vais pas me faire avoir deux fois. Parce qu'il n'y a rien de plus pourri comme voiture, hein. Elle est moche, elle. Mais il y a quoi d'autre comme voiture? Bon, j'avais celle-là quand j'ai fait en ligne en fait. J'étais arrivé 5ème sur 8 avec cette bagnole pourrie là. Vous voyez les stats, donc vitesse 2, accélération 3, donc c'est de la merde. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, je vais utiliser celle-là hein, parce que bon, je vais essayer de voir pour changer de couleur moi. Ok, les couleurs sont merdiques. Je vais la mettre en blanc, tu vois. Bon. Donc j'ai pris un espèce de 4x4 moche hein, en blanc. Déclenche les attaques au bon moment pour toucher tes concurrents et rester en vie. Bref. Donc les chargements ne servent à rien, comme d'hab. Comme dans tous les jeux, les aides ne servent absolument à rien. Enfin bon, ça c'est la plupart des jeux. Bon, sinon le jeu il est bien fait, ça va. C'est une bonne qualité, je me fais tracer. Enfin, normal quoi. Mais ça va, il est bon. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Donc, à part la vidéo juste avant là, je me suis à peu près habitué. Sauf que j'avais une voiture toute pourrie qui dérapait comme rien. Donc là, je fais une attaque. J'ai crashé tout le monde en même temps. J'ai tué 4 mecs. Mais après, les gens y reviennent, hein, bien sûr. Sinon, ce serait trop facile. Donc là, je fais une course. Ah, je trouve cette voiture est beaucoup mieux que l'autre. Bon, il y a des attaques pyro qui servent à rien. Hein. Après, les attaques pyro, en fait, il faut les lancer pour ceux qui connaissent pas avec les jauges bleues. Donc, en fait, que t'as quand tu dérapes ou que tu suis un mec ou alors que tu sautes. Et, ou alors que tu meurs pas à cause d'une attaque ennemie. Bon, j'ai explosé un mec, hein. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je sais pas. Ouais, donc le but est de gagner, hein, comme dans tous les jeux de course en général. Gagner donc dans ce... Par exemple, Destruction Derby, c'est pas vraiment le jeu à se référer. C'était pas du tout la même chose ce jeu, mais il fallait gagner. Pareil. En fait, il fallait arriver premier, sauf dans les trucs Destruction Derby où tu devais être dernier en vie. Ou le mode gratte-ciel aussi, ça c'est sur Destruction Derby Raw. Je sais pas s'il y a dans les autres. Bon, et donc, bon, dans les jeux en général, t'as un mode éliminateur aussi, donc il faut être le dernier en vie. Donc en général, c'est à fur et à mesure du temps ou alors des tours que les gens que le dernier se fait exploser à chaque fois, il se fait éliminer. Donc après, il en reste plus que deux et tout ça. Là, il y a eu un crash, je sais pas ce que c'est que ce truc. Ok, il y a la maison qui s'est effondrée sur moi. Tout s'explique, hein, ce truc bizarre. Bon, putain, je me suis crashé tout seul, hein, sur mon propre truc. Je suis 8ème comme un con. On va voir si je vais pouvoir les rattraper. En même temps, c'est pas une course élite, donc je vais peut-être pouvoir, hein. Parce que les courses élites, tu les crashes et reviennent direct. C'est chiant, parce qu'en fait, ils ont des voitures de ouf et toi, t'as une voiture pourrie. Donc, en fait, la voiture que je joue, elle me fait penser à une McLaren SLR. Donc c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est une en fait c'est une union entre Mercedes et McLaren en fait qui a fait la voiture à 680 chevaux je crois, un truc dans le genre. Donc
Je sais pas si elle est utilisée pour le moment. Enfin bon, bref. Bon, et donc elle est assez stylée, je trouve, ça va. Bon, sinon. Ah oui, on gagne du boost aussi quand on double les gens, mais ça c'est pas souvent. Sinon. Enfin non, c'est pas du boost. Ah oui, donc t'as les trajectoires aussi qu'on peut changer, je vais essayer de le faire à ce tour-là. En fait, c'est quand ta barre rouge elle est pleine, donc enfin quand ta barre de truc elle est pleine en bas là. Donc là, à mon avis, je pourrais pas. Ah si, c'est bon. Donc là, je vais la faire l'attaque de ouf. En fait, putain, je me suis crashé tout seul, mais quel truc de merde! Oh, surtout, j'ai raté toute l'action là. Oh, super. J'ai pas de mode ralenti en fait. Bon. On n'a pas vu, hein. C'est pas de ma faute. Enfin, si, en même temps, j'aurais dû freiner. Bon, bref, je suis septième, hein, quand même. C'est nul. Donc, je pense que je vais refaire la course après. Voilà, j'ai crashé à un mec. Il y en a un autre qui s'est crashé tout seul. Et donc voilà. Putain, je suis quatrième là. Amène-toi, toi, ton gros cul de merde là. Voilà, lui il se crash. Ce qui est dommage, c'est qu'on gagne pas de trucs bleus quand on crash un mec. Du coup, ben c'est chiant quoi. Enfin bon, t'en gagnes déjà assez comme ça, je trouve. Donc là, lui il est mort, hein. Lui aussi. Bon, je les ai doublés, hein. Je suis arrivé premier. Enfin non, je suis premier là pour l'instant. Bon, voilà, je me suis laissé aller, hein. À la fin, ça servait à rien, mais bon. J'ai essayé de faire un 3-6, mais c'est pas Ridge Racer, hein. Parce que Ridge Racer, au cas où vous connaîtriez pas, en tout cas sur PSP, parce qu'après je sais pas sur PS3, j'ai jamais essayé, mais sur PSP, tu peux faire des 3-6 et tu perds pas de vitesse. C'est un truc de ouf, ou t'en perds presque pas en fait. Mec, tu peux le doubler en 3-6, c'est trop bizarre. Enfin bon, bref. Bon, je suis arrivé premier, hein, ça va, c'était facile. Je pense que je vais faire une autre course là. Ouais, vas-y, je vais faire une course élite. Quoi? Ah oui, c'est vrai. Bon, je vais prendre cette voiture là. Donc, je vais vous faire une course élite pour vous montrer un peu la difficulté par rapport à l'autre. Mais bon, ça va. C'est pas super dur, je trouve. Il y a pire. J'espère juste que je vais gagner je sais pas quoi là. La prochaine bagnole. Normalement, à la fin là, je l'aurai fini. Je l'aurai. Épisode 4, je m'en fous. Donc là, c'est l'entrée classe dans toutes les courses. Élite, mais bon, on s'en lasse à la fin. Hein. Donc, j'ai un gros 4x4 qui me colle au cul, tu vois. Et ça fait chier parce qu'en fait, dans les jeux comme ça, tu commences toujours dernier. Tu dois remonter en fait. C'est comme MotoGP. Tu commences, t'es 21ème, tu dois arriver premier. Du coup, c'est super chiant parce qu'en fait, si t'as mal réglé ta moto, c'est impossible. Enfin, bon, là, c'est pas une moto, là, c'est pas MotoGP, mais c'est chiant quoi. Heureusement, on peut couper. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc lui, je l'ai explosé sa gueule. Mais regardez, le 4x4 me colle encore au cul. Ah non, c'est plus le 4x4 là. Le 4x4 est juste derrière, c'est Ridge. Bro, c'est un autre mec. Et en fait, ils ont des voitures niveau max quoi en fait. C'est les voitures qui vont le plus vite. Mais on dirait qu'ils vont pas vite en fait. C'est bizarre, ils sont nuls en fait. Ils sont nuls et forts en même temps. Non, en fait, ils sont pas forts. En fait, ils sont tout pourris. Mais ils ont des voitures de ouf. Ah, mais fais chier! C'est quoi ce truc de merde? Il peut pas s'activer là. Je lui ai demandé de s'activer, mais il veut pas s'activer. Bon. Je pense qu'il peut pas enchaîner trop de trucs d'affilée. Hein. Bon, c'est un raccourci qui m'a servi à rien. Enfin, si, pour gagner un peu de vitesse. Enfin, ouais. Donc, ça peut servir ces trucs-là. Hein, mais bon. Il y a mieux quand même. Bon, là on voit la voiture qui vient de disparaître. Hein, enfin bon, après, c'est normal, ils vont pas laisser toutes les carcasses sur le jeu parce que sinon ça se ferait assez bizarre. Enfin non, ça ferait assez chargé en fait. Surtout si elles sont aussi lourdes que dans MotorStorm parce que par exemple dans MotorStorm, si tu fonces dans une 4x4 avec une moto, tu te crashes. Ou presque. Donc lui, je crois il a changé la trajectoire, mais ça sert à rien en fait.
Bon, nous, en général, quand on nous fait une attaque pyro, ça nous fait rien en fait. Ça nous fait juste bouger un peu, quoi. Ah, mais arrêtez de me faire chier là. Bon. Je suis troisième, moi, depuis tout à l'heure. On dirait que je fais une course enduro. Ah, mais quel connard! Bon, je me suis détruit tout seul, hein. Je crois que j'ai détruit un autre mec, je sais pas. Mais puisqu'ils te le mettent pas quand tu te détruis. The Hammer, il est nul, il est dernier. Moi je prends un raccourci, hein. Donc il y a 3 tours comme d'hab. Je suis 6ème, je vais plus vite qu'eux normalement. Ah bah non, je vais aussi vite qu'eux en prenant le virage. Sauf que ça sert à rien d'aller plus vite. Voilà, j'ai buté tout le monde en même temps. Juste 3 ou 2. Bon, ça peut servir quand même ces trucs-là, hein, la preuve. Mais là je vois le deuxième. Et là je vois un mec qui vient de me faire un truc qui me servait à rien. Voilà. Donc l'histoire de ce jeu, je crois c'est, je suis pas sûr, hein. Je crois c'est parce que voilà quoi. En fait c'est juste bah tu passes à la télé en fait et bah tu fais des courses, voilà. Ça sert à rien quoi en fait. Enfin bon, après l'histoire on s'en fout quoi. Surtout pour un jeu comme ça sert à rien l'histoire. Qu'est-ce que je pourrais dire sinon? J'ai pas assez pour faire mon raccourci de merde. J'ai plus qu'à espérer qu'il me le. Bon, le mec qui se crache tout seul. Hein. On va prendre le tournant, mais bon. Bon. Je suis troisième moi toujours. Y'a un mec qui me colle au cul là. Lightfire, je crois. Cette hélico ne sert à rien. Voilà, je suis arrivé troisième. Bon, ça va. Hein. Y a pire. Bon, la difficulté est un peu plus forte en mode élite. Mais après, c'est en ligne où c'est le plus dur. Mais bon, après, voilà quoi. Je m'en fous. Félicitations. Ouais, super, j'en ai rien à foutre. Tu as débloqué une bagnole. Ouais, super. Donc c'est l'espèce de Lamborghini bizarre. Mais en fait elle est bizarre cette bagnole. Je l'ai essayé sur PSP. Ah oui, sinon bon, voilà, j'ai pas le choix quoi. Sinon qu'est-ce que je pourrais dire? Rien à foutre. Je vais vous mettre le son. Bon, vous avez raté le début. Donc c'est des vidéos à la con qui servent à rien. Voilà, sert à rien. C'est fini. Je vais vous montrer vite fait la Lamborghini si vous voulez. Voilà, enfin, truc bizarre. Hein. Enfin bon, ça sert à rien, mais bon. Donc... putain, mais je t'ai rien demandé, toi! Putain, on peut pas le passer cette merde. Oh! M'en fous de cet épisode, ils m'ont déjà fait le truc de merde tout à l'heure. Bon, ça sert à rien. C'est évident d'intro que tu peux même pas passer. Ça fait bien chier, c'est tout. Rien à foutre. Ouais, donc voilà, je vais faire vite fait, je vais juste vous montrer. Donc voilà la Lamborghini fameuse, bizarre. Enfin, en fait, ça ressemble pas trop à une Lamborghini en fait. Enfin, ça ressemble vite fait. C'est bizarre. J'essaie de changer de couleur pour voir si ça fait mieux. Non. Si, peut-être là. Bof. Bon. Sinon, essayez de. Enfin, vous pouvez me rendre un service, c'est juste de me trouver un émulateur PSP qui marche et ou alors de me dire comment on utilise Remote Joy parce que moi ça me fait chier, j'arrive pas à le faire marcher ce truc de merde, ça marche pas. Donc voilà quoi. Et sinon, abonnez-vous aussi. Bon, salut.